Et rebonjour à tous, nous sommes de retour pour la suite de Portal 2. Pour le moment, les niveaux sont faciles, j'en chie pas trop, mais j'ai un mauvais pressentiment. Pressentiment qui est toujours là. Hein. Formidable! Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail! Comme quoi c'est vrai ce qu'on dit. Aux innocents, lobotomisés, les mains pleines. Si c'est pas beau quand même. Placez un portail sur le mur derrière moi et je vous retrouve de l'autre côté de la pièce. Bon, écoutez, j'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. On m'a dit de ne jamais, au grand jamais, me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrai. Mais là, on n'a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prête à me rattraper au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. À trois. On y va ? Un. Deux. Trois. C'est haut. C'est trop haut même, non ? Enfin... Bon, quand on y va à trois, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à un, ce coup-ci. Allez, on est prêts ? Un. Chopez-moi ! Ah ! Ah ! Deux. Je suis pas mort. Bah. Pas mort ! Branchez-moi sur ce truc là-bas, sur le mur, d'accord ? Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez scier. Je peux pas faire ça si vous matez. Non mais je plaisante pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde ? C'est bon, vous pouvez vous retourner. Paf ! Compartiment secret que j'ai ouvert pendant que vous aviez le dos tourné. Ramasse. Et c'est parti. Regardez ! Je suis plus tributaire du diktat du rail. Ah, c'est formidable. On peut aller où on veut. Où est-ce qu'on va au fait? Attendez que je me repère. Il faut que... qu'on suive le rail. J'ai vu un laser, hein. Je me sens pas très à l'aise. Bonjour. Oh non. Hey, bonjour, c'est ça, au revoir. Surtout les croisez pas du regard. Non, merci, ça va. C'est gentil. Avancez. Je savais que mon pressentiment était justifié. Je n'aime pas ce robot. Ah oui, au fait, je crois qu'il faudrait que je vous briefe sur un truc. Pour s'échapper, on va devoir passer par la salle de... Qui vous savez? Et si jamais elle est en vie, bah, elle va sans doute nous tuer. Si vous voulez, vous pouvez laisser tomber. On n'a qu'à rester tranquille ici. Pour toujours. C'est un choix. Choix A, rester tranquille ici. Choix B, aller là-dedans, quitte à se faire tuer, si elle est vivante. La fameuse salle de Portal 1. D'accord, je vais jouer carte sur table. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas. Elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. La voilà. Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Vous savez qui a fini par la désactiver? Ça, c'est la meilleure. Vous allez jamais me croire. Un humain. Je sais, moi non plus, j'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il s'est absolument rien passé. Et puis maintenant, nous qui nous échappons, donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. Ah, ça passe! Ça passe! Formidable! Vous m'avez agrippé. Tout va bien. Rudement bien. Bah, je t'ai pas lâché, hein, ami. Ah! Je viens de baisser les yeux. Je vous le déconseille. Ah! J'ai recommencé. Ça, c'est la salle des disjoncteurs. J'aime bien. Allez, disjoncteur. On entre. Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation, d'accord? Et ne touchez à rien d'autre. Le reste ne nous intéresse pas. Ne touchez rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie, et hop, on regarde plus et on passe au suivant. D'accord? Et vous allez me dire que je me répète, mais surtout, ne touchez à rien. Vous le voyez quelque part? Parce que moi, pas. Vous savez quoi? Connectez-moi et j'allume la lumière. Que la lumière soit. Dixit, Dieu. Je citais Dieu. Ah! Regardez, on pivote. C'est pas bon signe. Mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors, le module d'évacuation. On monte. D'accord. Ok, non, c'est pas grave, je maîtrise. Ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Oh oh. Bravo, Georgette. Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Arrêtez de paniquer. Je peux arrêter ça. Ah, il y a un mot de passe. Pas grave. Je peux le hacker.
Ah. Non? Ok. C. Ah, mais j'ai pas essayé B. Vous avez un stylo? Prenez des notes. Mise en marche terminée. Bon, alors, changement de programme. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait. Bonjour! Tiens, c'est vous. Vous vous connaissez? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupée. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné. Depuis quoi? Oh non! Non! Je savais, hein? Non! Je le savais! Vous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pourrons, je pense, mettre nos différends de côté pour le bien de la science. Sale monstre. Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclus que vous aimez tout particulièrement les tests. Comme je vous comprends, mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Je n'aime pas ce robot. Vraiment pas. Je le déteste. Nous y voici, l'incinérateur. Attention, je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. Le générateur de portail doit être par là. Trouvez-le et nous pourrons commencer les tests, comme au bon vieux temps. Je vais pas vous mentir, je me sens pas à l'aise. Pas du tout. Me voilà. Attention. Voilà. Bien, vous avez le double générateur de portail. Avancez, il doit y avoir un moyen de retourner dans la zone de test. Après le début des tests, le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Attendez, laissez-moi faire. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous? Que j'avais une fonction de sauvegarde rapide, une sorte de boîte noire, qui en cas de défaillance majeure, préserve pour analyse les deux dernières minutes de ma vie. J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains, encore et encore. Vous savez, si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Heureusement, je suis au-dessus de tout ça. Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. C'est vrai, il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. Plus ou moins. Je n'ai pas les tables de mortalité devant moi. Mais l'important, c'est que vous êtes revenus. Avec moi. Et maintenant, je connais toutes vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Après ça, qui sait ? Je vais peut-être me mettre à la nécromancie en dilettante. Je vais en chier ma race. C'est sûr et certain. Excusez le désordre. Je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué. À propos, merci. Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, parfait. C'est de nouveau opérationnel. Je vais réparer tout le reste pendant que vous effectuez ce premier test très facile. Un test à base de laser mortel, visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel.
personnage est en chimaras. Ça commence. Vous vous débrouillez comme un chef, mais je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. J'ai déjà le cerveau en vrac, donc merci. Au secours. Dès que je joue à ce jeu, j'ai déjà mal au crâne, c'est fou, hein. La prochaine salle comporte des cubes anti-découragement. Je venais de les développer quand vous avez fait votre... petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Il doit y en avoir dans le coin. 22 putains de niveaux. Sa mère la pute. Bon. Je vais arrêter là, hein. Je vais déchauffer mon cerveau, hein, pour le rafraîchir un peu. Et on va reprendre pour la suite. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Je vous dis à bientôt. Au secours.